Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder Kingmaker et on allait faire la colline chauve. Alors j'avais dit que j'allais faire la ligue technique, mais il y a la colline chauve qui est apparue. Donc allons faire d'abord la colline chauve avec l'équipe principale et on va libérer la colline chauve encore une fois et on va avancer un peu dans l'histoire. Suivant l'histoire d'Octavia et de Régongar. Alors, pause. Alors, avant de faire n'importe quoi, il ne va pas oublier. On est bien d'accord que c'est plus 2 au jet d'attaque, hein. Donc là, elle a combien? 17-12. 18-13. Alors, ça fait plus 1 pour moi, hein, mais bon, bref. On va rien dire. Au lieu d'un plus 2, c'est un plus 1. On a l'habitude, hein, des petites facéties, hein, de l'ordinateur. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a une manticore ici. Et une autre là-bas. Très bien. Alors, Knock Knock, tu vas pas jouer, tu vas retarder ton tour ici. Voilà. Bah écoute, on commence comme ça. Hein. 39. Elle a pas subi de dégâts. Certainement qu'elle est protégée. Ok, alors pourquoi j'ai fait retarder le tour de Knock? Pour éviter qu'il soit au contact et que au moins elle à l'avance. Et voilà, on l'a déboîté. Alors, on sait, hein. Mais il y en a une autre que nous n'avions pas vue. Yes, au moins tu l'as touché, ça c'est pas mal. Ok. Une vouivre. Alors, d'accord, elle a chargé Lindsay et elle s'est fait taper par. Ok, très bien. J'essaye de comprendre, hein, des fois ce qui se passe un peu à l'écran. Alors, est-ce que je peux toucher tous les monstres sans toucher? Non, je suis obligé de toucher Valérie. Hein. Donc, on va faire ça. Et là, on touche tout le monde. On s'en fout. Parce que c'est contrôlé. Celle-là n'a pas subi de dégâts. Celle-là, on a subi un petit peu. Très bien. Amiri, si tu pouvais aller taper celle-là, s'il te plaît. Voilà. Bon. Knock knock. Ne devrait pas. Ok. Merci Knock Knock de subir. Vas-y, tire sur celle-là. Ok, voilà. Très bien. Aïe, aïe, aïe. Ouille. C'est que ça tape fort, hein, ces machins. Ok. Oh, mais sortez-vous les doigts, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ah, une nymphe de mon sbi. Alors, bah pour la nymphe de mon sbi, écoute, alors, je touche tout le monde sans toucher mes personnages. Bah, boule de feu normale. Voilà, donc on a touché personne d'autre, malheureusement. Tu vas te casser. Voilà. Parce que, oursibou, tout ça. Celle-là. Ok. Knock-knockisation de la cible. Voilà. Elle fait quoi, elle? Ouh! Ok. Elle invoque un gros machin. Aïe. Ça va. Ok, lui s'est déplacé, c'est pas mal. Ok. Allez. Ok, c'est pas mal. Knock Knock est à terre? Pourquoi? Pourquoi est-il à terre? Je ne sais pas. Boule de feu concentrée. Contrôlée, pardon. Ok, donc ça suit un peu, ça suit un tout petit peu, malheureusement, pas assez. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Tu la vouivres. Ah! J'ai demandé que tu la wave. Image miroir, très bien. Alors, il y a cette saloperie qui va taper. Ça va. Tu la wave.
Yes! Là, vous devrez tomber. Ok. Alors, pourquoi je suis content? Parce que ça fait déjà encore un ennemi de moins. Ok. Voilà. Top ça. Yes! Voilà. Au moins, on commence à le. Lui faire des dégâts. Ok. Ok, lui subit un tout petit peu. Lui n'a presque rien subi. Par contre, Amiri commence à subir. Voilà, elle est tombée. Ok. Par contre, ce serait bien que Knock Knock se réveille. Il se réveille quand? J'ai fait réussir un jet de sauvegarde, le bard ne peut plus la fasciner pendant 24 heures. Ah d'accord, donc mais pourquoi il fait pas un jet tous les tours? J'avais complètement zappé de faire ça. Ok. Aïe. Ok. Ok. C'est lui. Ok. Une petite boule de feu. Alors. Là, je touche pas à Miri, je crois. Ok, bon, il y a quelqu'un qui a subi, pas grand chose en plus. Dommage. Bon, Knock Knock, ce serait bien que tu te réveilles, Knock Knock. Ah, Knock Knock arrive. Yes. Ça c'est bon. Ah bah Knock Knock est rendormi. Abattez ça. C'est pas grave. Ok. Ça. Voilà. Il est tombé. Non, il est juste tombé au sol. Très bien, il se relève. Moins 2 de constitution, dommage. Ok, il faut le faire tomber, c'est pour ça, les gars. Allez, faites-le tomber. Ah là 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 là. Dommage, on va devoir réutiliser ça. Yes! Il faut y aller voir. Ok. Ok, bon, Lindsay, commence à tirer là-dessus. Arim, tu tapes ça. Valérie, allez. Oui! Je savais, Valérie, que je pouvais compter sur toi. Ah dommage. 20 pour te toucher. Dommage. Ok. Feu. Ok. On a touché une image miroir, c'est pas très très grave. Là tu touches les deux. Allez. Tu lui as fait 14, ok. Bah, ce qui est bien, c'est que lui, il subit. Hein. Ok, alors. Essaye de le tuer. Yes. Ok, elle est toute seule maintenant. Moins 2 de constitution encore. Attention. Bien ça. Est-ce que tu pourrais venir faire une restauration sur... Hop là. Tu vas te mettre là et tu vas faire une restauration au prochain tour. Ah, insensible, ok. Moins un de constitution. Alors, refait image miroir. Ok. Arim, fais une restauration. Une restauration, j'ai dit. Ok.
c'est bien restauration qui est sélectionné. Voilà. Ah là là là. Vas-y. Ah là 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 là. Eh si. Si on peut pas la toucher, ça va pas le faire, les gars. Ok, feu. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah tiens. Voilà. Déjà. T'as rajouté des attaques, hein. Aura d'enchantresse. Qu'est-ce que ça fait? Putain, c'est un camouflage aussi cette saloperie. Mais c'est à tout. Ah. Aïe. Avance encore. Voilà, comme ça, ils ont le bonus de PV. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Ok. Ok, encore une. Ok. On va finir par la. À force de les briser tous les ans, on va la tuer. Ok. Feu. Ah, ça a camouflage et tout, quoi. C'est fort, hein. C'est très très fort. Hein. La musique s'est encore barrée en. Ok. Au moins maintenant, si on la touche, c'est elle qu'on touche. Voilà. Heureusement qu'on a un mage pour faire des dégâts. Encore image miroir. C'est fou. Pourquoi Lindsay peut pas jouer? Elle est encore. Elle est aussi sous. Son truc d'enchantresse là. Comme. Il a été. Ah, comment il s'appelait? Nopnok. Il va y arriver, hein. Ok. Aïe. Vous êtes à moins combien? Moins 3. Et elle, elle est empoisonnée pendant encore 6 rounds. Et elle est à combien? Moins 2. Donc ça sert à rien de faire une restauration comme ça. Par contre, ce que tu peux faire, c'est ça. Ah, ça n'a pas marché. Ouais. Bah écoute. Voilà. On va balancer des trucs comme ça, hein. Ça serait plus vraiment le choix, hein. On n'a pas vraiment le choix, malheureusement. Non, mais des 20 plus pour les toucher, quoi. Sérieusement. Heureusement qu'on s'est buffé, les gars. Hein. Franchement, sans mage. Hein? Merci, le magie, quoi. Ah, elle a résisté. Je dois faire combien pour la vaincre, ça? Ah, mince, j'ai pas. Laisse-moi regarder. Résistance à la magie 25. Waouh. Eh ben. Non, alors c'est une punaise de résistance. C'est vachement fort comme bestiole. Ça va, camouflage, tout ça, tout ça. Ça va, hein, c'est pas trop pété comme, comme bestiole. Hein. Ça passe encore. Il était noté que ça les touchait pas, mes squelettes, mais c'est pas grave. Bref. Bon, après, elle est très très nulle au corps à corps. Hein. Donc, le combat va durer longtemps, je pense.
Oups. Mais il était noté que ça ne les touchait pas. Ah. Lindsay, soins intensifs sur Amiri. Ok, Amiri est debout. Elle est debout. Je me comprends. Et je lui ai demandé de faire le sort. Pourquoi ça n'a... il s'est déplacé, ce con? Je lui ai demandé de faire le sort, il s'est déplacé. Ok, merci le jeu. Ah oui, on l'a touché. Je sais pas combien on lui a fait, mais on l'a touché. Allez. Tellement fort ce squelette. Allez. Oh, en plus on fait des jets de merde. Ok. Allez, on arrive. Aïe. Lindsay, soin important sur... Voilà. Yes, un petit 13 points de dégâts, ça marche. Allez, yes. Je sais pas combien je vais faire, 2 points de dégâts. Yes, on la touche, maintenant. On la touche, on la touche, on la touche. Tant qu'on la touche, c'est bon. Elle est toujours insensible à ça, hein, je crois. Ouais. Insensible à ça aussi. 12 pour notre ami Amiri pour toucher. Allez. Il dure longtemps maintenant les squelettes, hein. C'est cool. Oh là là là. Bah go. Je peux vraiment faire autre chose, hein. Punaise, c'est pas possible ça, sérieusement. On doit faire des 12, on arrive encore à louper, quoi. Allez. Heureusement qu'on a encore l'héroïsme, hein, parce que... Ah, 7 de dégâts, très bien. Bon, après, on va la tuer, hein, c'est pas le souci, hein. On va y arriver, hein. Voilà. Tant qu'elle se concentre sur les squelettes, ça va, hein. C'est juste que Harim, il commence à plus avoir beaucoup de PV, je crois. De constitution. Regardez ça. Ok. Bah écoute. Oui! Plus beaucoup de PV. On va finir par mourir. Hein. On va finir par la tuer. Ne vous inquiétez pas. Après, je regarde combien il reste de constitution à rime. 12, ça va. Allez. En fait, allez. Vous savez que c'est le. En fait, la nymphe. Enfin, la fée, c'est toujours la dernière bestiole qui sort. Toujours. Quand vous affrontez la fée, ça veut dire que vous avez fini en fait le défi. Ah, c'est pas possible. Allez, mais sortez-vous les doigts, quoi, 5 minutes. Pas possible! On loupe toujours à 1 ou 2 quoi. Allez! Ah merci! Il a fait combien? 7 points de dégâts. C'est handicapé. C'est handicapé bataille. Yes! Très bien! En route pour la colline chauve, c'est fait! Et oui! Oh! Oh! Un bel anneau! Anneau de protégation plus 3.
Très bien. Ah là là là. Harim, mon petit Harim, tu vas faire des petits sorts. Quoique non, parce qu'on va se reposer à la capitale, donc c'est bon. Oui. Ah là 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 là. Un bon fight. La colline chauve, c'est fait. Et ça, on aime. On aime très très fort. Ok, tac. Tac, entrons. Salle du trône, on va se reposer et on va faire l'histoire de Octavia et Régongar. On va les prendre dans l'équipe. Aïe aïe. Désolé, je me suis fait mal. Vous avez certainement entendu le petit crack. C'est pas grave, hein. J'avais un bras avant. En fait, à une époque, j'avais des coudes. Et depuis, je n'en ai plus. Voilà. Attendre le rapport. Très bien. Mais on va pas attendre. Nous, on s'en va. Tout de suite. Là, maintenant. Regarde, on se casse. Comme si j'allais attendre, quoi. Attendre quoi? Comme une imbécile, comme une gueuse. Non, jamais. Allez, on avait dit qu'on enlevait. Ouais, je suis pas tout à fait convaincu par ce que je suis en train de faire. Comme groupe, mais c'est pas grave. C'est pas grave. À raison de deux mages, par contre, ça va défoncer sec. Oh, mais qu'est-ce qu'on veut encore? Sérieusement, je suis même pas encore parti qu'on me dit déjà. Oui. Voilà, c'est bien, merci. Oui, merci. Le fléau légendaire, merci. Ok. Les serres du Buzard. 50% de chance. 75% de chance, je préfère. La crise, la grève des artisans. Non! Ça finit en combien de temps? En 13 jours. Et c'est dans combien de temps ça? La résolution prendra 14 jours. Mais c'est combien de temps? Intervention recommandée avant le 1. Oui, donc c'est bon, on aura le temps. Ok, c'est bien, on a deux projets, c'est très très bien. Ok, bon, on se casse. Ok, bon voilà, on peut y aller. Oui. Le camp de la Ligue Technique, le camp de la Ligue Technique. Où est-il? Le camp de la Ligue Technique. De folie, campement de bandits, non, méandre, temple de l'élan, camp de la Ligue Technique. Les agents de la Ligue Technique ont traversé cette forêt et ont établi le camp dans les parages où ils semblent parquer leurs esclaves. Alors? Oh, on connaît pas la route. Alors, tu connais la route pour aller jusqu'au point juste avant et t'as quand même les traits, mais tu connais pas la route. Tu serais pas, t'es pas en train de ta faute de ma gueule le jeu. Une rencontre au combat! Alors, on va peut-être aussi refaire le groupe, hein, parce que le positionnement n'est pas très très bien. Ok. Formation. Lindsay et Régongar, vous échangez. Octavia et Régongar, vous échangez. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux comme ça. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, nous avons quand même notre équipement. Hein. C'est un bug que nous connaissons. 27 de CA, pourquoi pas. Toi, voilà. Hop, tu gagnes 1 de CA direct. Pouf, 25, sans rien faire. T'es trop fort, mon Régongar. Ok. Des commandes. Alors, on va apprendre à jouer avec Régongar. Alors, Régongar se déplace beaucoup, c'est très bien. Il a plein de sorts, plein de trucs. Alors, c'est un personnage qui doit avoir une épée dans une main et pas d'autres armes pour qu'il puisse faire des sorts type. En fait, alors je crois que Baiser du Vampire ça marche pas, mais Contact Gelé, en fait, il le met sur son arme et en fait, il tape. Ok. Et en fait, il tape avec son arme plutôt que taper avec la magie. C'est particulier. Mince!
J'ai envoyé Octavio au corps à corps, mais quel con! Bon, ça va. C'était des kobolds. Ça s'est bien passé. Mais quel con, pourquoi j'ai envoyé Octavio au corps à corps, hein? Parce qu'elle a pas de sort de base, voilà. Mets-toi en comme ça. Voilà. Mais ton grimoire, il est dégueulasse, ma petite Octavia. Alors, est-ce que tu as tous tes sorts? Ouais. Ok. 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 Et ok, bon, bah, ouais, bah, t'as tout, donc c'est bon. Ok. Ok, bah, on avance, hein. On avance, on avance, on avance. J'aurais pu lui faire aussi de la métamagie, d'ailleurs. Je viens d'y penser. On fera peut-être. Comme moi, extension de durée et tout là. Pour balancer des sorts à volonté, en mode gros bourrin. Enfin, le truc qui monte pas le level là, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le nom en tête. Encore ? À l'attaque ! Eh ben, y a bien beaucoup de monde ici. Bon, bon ça me dérange pas. Hein. Bonjour ! Encore lui ? Ah, je me demande tellement ce que ça fait si on le tabasse. Ah là 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 là. Je n'ai besoin de rien. Allez, vous savez quoi? De toute façon, on va sauvegarder. Là. On sauvegarde là. Voilà, regardez, je sauvegarde et je le tabasse. J'ai envie de savoir ce que ça fait quand je le tabasse. Voilà. Parce que ça, ça va certainement attaquer. On va se faire défoncer. Hein. Attaquer. Vous cherchez à laver la malédiction qui m'inflige, ou vous désirez simplement me détrousser, quelles que soient les intentions, je crains que la magie de mon maître me mette des bâtons dans les roues. Ah d'accord, bon, bah, il s'en va, ok. Bon, on va recharger, hein, parce que ça sert à rien. Hein. Voilà, c'est juste pour voir, c'était la petite expérience. Je croyais qu'on pouvait le tabasser, mais non. Alors, qu'est-ce que tu vends cette fois, est-ce que c'est les mêmes objets? Ah non, mais en fait, ces objets changent à chaque fois. Et ça, donc ça peut. Oh là 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 là, regardez tout ce qu'il vend maintenant, oui! Alors, baguette d'énergie négative, une cape d'augure, cape plus trop DD de l'école de divination, ouais. Homme de confiance. 86 000. 86 000 balles. Bandeau de sagesse, ouais. Gant du fossoyeur, plus 3 à la CA contre les attaques des morts vivants, c'est pas mal. Force du géant, plus 4 à la force, plus 4 à la constitution, c'est pas mal. Robe de sage, plus 3 connaissance nature et sacrée érudition. Ouais. Némésis des géants, crevisse, plus 2 confère un bonus de morale de plus 3 à la CA. Oh, c'est pas mal. Cuirasse de résistance au feu. Ouais. Et le chemise de maille d'antidote. Ok. Ah ça par contre c'est pété ça. Immunisé au croc en jambe, c'est l'attaque des loups qui vous font tomber. Adamantium, ok. Ok, résistance au froid. Résistance à l'acide, ok. Résistance à l'électricité. Épée longue, vicieuse. Plus 2, ça fait quoi vicieuse? Lorsqu'une frappe une créature, cette énergie inflige un des 6 points de dégâts au porteur de 6 points de dégâts à sa cible. Ah! Inflige. Ah oui, c'est un peu chiant. C'est un petit peu chiant quand même, épée de duel. Épée bâtard de sainte. Alors, ça par contre. Pour Valérie. Une arme, elle inflige 2 des 6 points de dégâts aux créatures mauvaises. Ça peut être pas mal, hein. T'as quoi toi Valérie? Une plus 1 un. Ouais, tueuse d'orques et de gobelins. Ça peut être très bien pour elle. Hein. Une rapière, masse d'armure, un coucri de froid plus 2. Non, il a déjà assez de coucri, Jackie. Je vais lui prendre l'épée bâtard de sainte. Allez, épée bâtard de sainte plus 2. Je t'achète ça, mon ami. Et je te revends celle-ci. Est-ce que cela te va? Ok, ma petite Valérie, tu vas prendre ton épée bâtard de sainte. Voilà.
Merci, mon ami. Nous échappons. Enfin, il pleut. Il pleut. En plus, je suppose que les mecs de la Ligue Technique, c'est pas des gens gentils. Hein ? Donc avec un peu de chance, elle fera des dégâts sains. Pareil, je pense que les pixies et tout là qu'on affronte là, c'est pas trop des créatures bonnes, hein. Mais c'est la fin de l'épisode juste avant d'entrer dans le camp de la Ligue Technique. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.